vidéo très spéciale, car j'ai eu la chance d'aller visiter un des bâtiments iconiques de la ville de Montréal, les pyramides du village olympique. Ces deux pyramides ont été construites entre 1974 et 1976 par les architectes Roger Dastou et Luc Durand, et elles servaient à loger tous les athlètes pendant les Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Le bâtiment est gigantesque. Il commence à la rue L'Assomption et il va jusqu'à la rue Viaud. Et il se divise en quatre demi-pyramides, qu'on désigne par les lettres A, B, C et D. De nos jours, il y a quelques bureaux dans les pyramides, comme des bureaux de la Régie du logement et de Revenu Québec. Mais ce sont surtout des appartements qu'on trouve dans les deux bâtiments. Tous ces appartements sont loués par la compagnie Capright. Et le prix mensuel d'un appartement varie entre 970 $ et 2 700 $. Suzanne, une abonnée de Montréal dans ta pipe et une résidente des pyramides, m'a invité à les visiter en dedans. C'est une véritable ville intérieure. Il y a un corridor qui traverse tout le bâtiment, d'est en ouest, et il fait presque 1 km de long. On retrouve à l'intérieur des restaurants, un centre de soins esthétiques, une boutique de vêtements, une petite épicerie, une garderie, en fait tout ce qu'il faut pour n'avoir à jamais mettre le nez à l'extérieur. Ils ont même un gym et une super belle piscine. À côté de laquelle, on peut même se reposer dans une petite jungle. Mais ce que j'avais le plus envie de faire, c'est d'aller voir la vue au 19e étage. Et je n'ai pas été déçu. Et les habitants des appartements les plus chers ont des super grandes terrasses pour apprécier cette vue. Je remercie grandement Suzanne de m'avoir fait découvrir ce bâtiment iconique. Là-dessus, on se dit à la prochaine.